Salut les amis, c'est Clémy pour une nouvelle vidéo sur la Obscur Clan. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis. Donc voilà, sur un gameplay vraiment monstrueux. Et oui justement les amis, enfin bref, on s'en fout un petit peu. C'est un petit world record, donc y a pas grand chose à dire là-dessus. Bah bien sûr qu'il y a des choses à dire là-dessus Clémy. Qu'est-ce que tu dis de la merde là? World record 149 gun streak arm à la Razorback. Il était sur la map Fringe par un gameplay par le joueur Zoax. Donc franchement un grand respect pour ce gameplay là les amis. Donc voilà un petit retour, donc voilà. Je pense que ça fait pas mal de temps que j'ai pas commenté sur la Obscur. Donc un petit retour les gars, faites-moi plaisir. Faites péter la barre des likes pour ce gameplay ainsi que pour mon retour. Aujourd'hui je vous ai préparé un bon petit sujet assez sympathique avec le gameplay qui passe bien. Les mises à jour changent-elles la donne sur les Call of Duty? Car voilà, je pense que vous l'avez remarqué, il y a pas mal de mises à jour sur les Call of qui circulent en ce moment. Enfin du moins Black Ops 3. Donc aujourd'hui on va parler des mises à jour qui ont lieu sur ce Black Ops 3. On va donc débattre ensemble si les mises à jour ont-elles un réel but. Donc voilà, vont-elles vraiment apporter des modifications au jeu en termes de modifications ainsi des armes. Plus de 3 mois se sont écoulés depuis le lancement de Black Ops 3 et de nombreuses mises à jour ont modifié certains aspects du jeu. Donc le côté e-sport est bien entendu très touché par ce genre de modifications. Ces mises à jour sont-elles tout autant nécessaires? On va aujourd'hui en débattre et on va en parler voilà tranquillement les amis. Donc alors, ce qu'il faut savoir c'est que pour les joueurs e-sport, le fait d'avoir une mise à jour pose pas mal de problèmes quand on commence à s'adapter au jeu, qu'on commence voilà à s'habituer à telle arme, tout ça. Quand il y a une mise à jour, ça pose pas mal de problèmes quand l'arme a été patchée au niveau de tel truc, voilà, sur la poignée ou plein de petits trucs comme ça. Au niveau des dégâts également, ça peut poser pas mal de problèmes à ces joueurs justement. Et c'est donc ce que je vais vous parler aujourd'hui. Donc à l'époque, il faut bien se dire que les mises à jour n'existaient pas quand un jeu était commercialisé et aucune mise à jour n'était possible. Donc imaginez-vous, c'est quand même assez chaud, tu dis, si à l'époque il y avait un hack qui était trouvé, voilà, carrément le jeu était fini, parce qu'il n'y avait pas de mise à jour, donc pas de bannissement, il n'y avait rien. Donc c'est assez chaud quand même. Donc cela était quand même assez chaud quand il y avait, comme je vous l'ai dit, des hacks ou bien même des problèmes dans le jeu au niveau du gameplay ou des petits problèmes sur des armes. Aucune manière de les résoudre était possible, sachant qu'il n'y avait même pas de mise à jour. Il fallait attendre un nouvel opus pour profiter de changements. Donc quand même c'est assez chaud, tu imagines à chaque fois tu dois attendre un nouvel opus pour que le jeu se renouvelle et qu'il n'y ait pas de bug. Voilà, et encore ce n'était pas certifié qu'il n'y ait pas de bug justement, donc c'est assez chaud. Maintenant de plus en plus de jeux optent pour un vaste suivi du jeu dans son développement. On peut suivre le jeu et de toutes ces nouveautés, donc comme vous pouvez le remarquer les gars, quand il y a des nouvelles mises à jour, voilà, on profite, en fait on évolue avec le jeu, donc c'est assez, c'est ça qui est cool quand même. Quand voilà, des fois on peut communiquer avec Activision, leur dire ouais, cette arme a un problème, ou voilà, pas mal de joueurs se plaignent. Voilà, ils vont peut-être y remédier à votre problème justement, et je pense que les mises à jour peuvent quand même être très utiles, surtout quand il y a des hacks ou quoi, c'est vraiment très très utile. Maintenant, de plus en plus de joueurs optent pour un vaste suivi du jeu dans son développement. Comme je vous l'ai dit, voilà les gars, on suit toujours le développement du jeu que les développeurs peuvent nous apporter. Le jeu est alors commercialisé, mais continue de recevoir des améliorations et des modifications. Donc voilà, un jeu, même quand il est fini, enfin censé être fini, a toujours des modifications ou des améliorations pour toujours perfectionner le jeu. Comme quoi, le jeu n'est pas parfait, voilà les gars. C'est le cas pour Call of Duty, mais pour plein d'autres jeux, je pourrais citer GTA ou Destiny, ou voilà, plein d'autres jeux, voilà, il y en a tellement. Tous les nouveaux jeux sont quasiment tous adaptés avec des nouvelles mises à jour à chaque fois. C'est le cas pour Call of Duty, comme je vous l'ai dit, celles-ci peuvent être banales, comme elles permettent de corriger des bugs ou d'améliorer les performances générales du jeu. Cependant, certaines touchent directement au gameplay. Donc là, ça pose pas mal de problèmes quand on est habitué au jeu et que ça, voilà, ça modifie un petit peu tout. Par exemple, les statistiques d'une arme, comme je vous l'ai dit, peuvent être modifiées à tout moment, ce qui pose des gros problèmes pour les joueurs compétitifs. Et des fois, sans raison valable, certains diront que ces changements dans l'e-sport, notamment, forcent les joueurs à se renouveler. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, les joueurs doivent toujours s'adapter au fil des mises à jour, parce que voilà, s'ils n'arrivent pas trop à suivre, c'est la merde pour eux, simplement, les gars. Donc on va parler un petit peu des armes qui ont eu des petites modifications, donc voilà. Donc d'un autre côté, certaines modifications pénalisent des armes déjà équilibrées. Donc prenons deux armes, la M8 admettons et la Vesper, armes les plus utilisées en compétition, et donne un avis final sur la question. Donc la M8A1 de Black Ops 3, directement sortie du précédent opus de Black Ops 2, et l'arme préférée des AR, la M8 reste toujours l'arme de prédiction, donc de prédiction, donc voilà, on prend toujours quasiment cette arme quand on est en compétition. Dans sa catégorie initialement trop puissante, les développeurs ont subitement diminué les stats de celle-ci afin d'équilibrer l'arme. Cependant, ils sont allés un peu trop fort, voilà, car ils ont un petit peu niqué l'arme, si je peux dire, voilà, le rendant moins intéressante que sa petite sœur, la XR2. La dernière mise à jour a rectifié le tir et l'arme a retrouvé sa notoriété. Donc voilà, les joueurs ont retourné encore une fois sur l'arme.
Voilà, c'est pour ça que les mises à jour peuvent parfois poser pas mal de problèmes quand on se dit comme quoi voilà, l'arme peut être baissée et poser, voilà, que les joueurs soient carrément dégoûtés de l'arme. Certes, voilà, des fois il y a des armes qui peuvent être cheatées, mais bon, après si on s'arrête là, on dit que toutes les armes sont cheatées, voilà, on n'en finit plus tout simplement. Donc là, rendant moins intéressante, pas mal de joueurs sans las tout simplement. La dernière mise à jour a rectifié justement cette arme, la M8A7. À chaque nouvelle mise à jour, l'arme est modifiée, on espère à chaque fois que celles-ci ne changeront pas trop l'arme. Donc voilà, c'est un petit peu ce que tout joueur de Black Ops 3 a peur, c'est que quand il y a une nouvelle mise à jour, que ça touche un petit peu notre arme fétiche, une arme avec laquelle on arrive à faire nos séries, avec celle qu'on se démerde un petit peu, voilà, simplement. Et il y a également la Vesper qui a subi pas mal de modifications, sûrement l'arme la moins équilibrée du jeu, semblable à son aînée, la Scorpion sur Black Ops 2. Elle aurait dû également posséder les mêmes performances, elle est bien plus puissante et plus stable que sa grande sœur, ce qui lui vaut le titre d'arme la plus bannie dans les phases de pick et ban, avec beaucoup de modifications de la part des développeurs. Donc cette arme-là, elle est retournée dans tous les sens, voilà, elle est tout le temps modifiée, tout simplement. Elle reste l'arme la moins équilibrée, à croire que les développeurs ne testent pas leurs modifications. Elle est aujourd'hui toujours aussi puissante, mais le recul est bien supérieur, ce qui la rend difficile, usable, utilisablement de loin et redoutable de près. Une nouveauté également de la part de David Van Der Waart, j'espère que je l'ai bien prononcé. Faire des modifications sur la Vesper sans en informer la communauté, plus valider quelques temps avec, via une mise à jour que jamais. Donc, comme je vous l'ai dit, les armes peuvent subir pas mal de modifications, ce qui peut poser certains problèmes, les amis, durant le fil des mises à jour. Et aujourd'hui, voilà, on va débattre. Bah, comme je vous l'ai dit, on a pu faire un petit débat tranquille comme ça, les gars. J'espère que ce petit commentaire vous aura fait plaisir. Et donnez-moi votre avis dans les commentaires de ce que vous pensez un petit peu des mises à jour. Portent-elles vraiment une réelle modification au jeu, ou tout simplement nique le jeu entre guillemets, voilà, soit elle pourrisse le jeu ou soit elle l'améliore. Ça dépend, pour moi je vais donner mon avis, ça dépend un petit peu, ça va dans les deux sens simplement, parce que quand on va être fan de cette arme, quand on va être fan d'une arme précise, voilà, si on aura toujours peur qu'une mise à jour arrive pour la rabaisser. Donc c'est ça qui fait un petit peu peur sur ce Black Ops 3 et bien sur d'autres jeux. Et voilà les amis, en espérant que cette petite vidéo vous ait fait plaisir les amis, ça faisait pas mal de temps que je vous avais pas commenté. Et moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, c'était Clémy et salut tout le monde.